D'un côté, les États-Unis d'Amérique. La plus grande puissance industrielle et militaire de tous les temps. Depuis 1965, début de l'escalade, les Américains ont déversé plus d'un million de tonnes de bombes sur le Vietnam du Nord. C'est-à-dire davantage que sur l'Allemagne pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Un pays dont les 200 millions d'habitants dépensent plus pour leur papier d'emballage que les 500 millions d'Indiens pour se nourrir, peut donner quelques moyens à son armée. Chaque matin, dans le golfe du Tonkin, les porte-avions de la 7e flotte font leur plein de bombes. 1000 tonnes par jour. C'est une guerre de riches. En face, une guerre de pauvres. Celle des 17 millions de Vietnamiens du Nord et de leurs compatriotes du Sud qui se battent pour l'indépendance. Ce sont les plus pauvres, mais pas les plus faibles. Ce sont les moins nombreux, mais pas les plus seuls. Car si la pratique quotidienne de la guerre place le Vietnam dans une solitude que le Che Guevara compare à celle des gladiateurs au milieu du stade, une grande partie du tiers-monde a compris qu'elle était solidaire du Vietnam. Et que c'est au Vietnam que se pose la question fondamentale de notre temps. Le droit des pauvres a créé, pour avancer, des sociétés basées sur autre chose que sur l'intérêt des riches. À Cuba, Fidel Castro a proclamé 1967 année du Vietnam. Il sait de quoi il parle. C'est parce que les États-Unis ont échoué à briser la révolution cubaine par la force en 1961 à la baie des Cochons qu'ils ont décidé de ne plus laisser nulle part se développer victorieusement un mouvement révolutionnaire. D'où Saint-Domingue, la lutte anti-guérilla en Amérique latine et l'effort de guerre démesuré au Vietnam. L'Amérique veut démontrer au monde que la lutte révolutionnaire est sans issue. Elle a choisi le Vietnam pour en faire la preuve. Elle a peut-être mal choisi. Goyave. Ce sont des bombes à fragmentation. On les recueille et on les désamorce quand elles n'ont pas explosé. Une bombe mère en fait voler 300 dans un rayon d'un kilomètre. Et chacune à son tour projette 600 billes d'acier à hauteur d'homme. Ces billes sont pratiquement sans effet sur le béton et sur le métal. Leur destination logique, c'est la peau humaine. Thank you.
Hanoï est à moins d'une heure de vol des porte-avions de la 7e flotte. Les bombardements américains ont créé dans les rues de la capitale du Nord un nouvel artisanat. La fabrication des abris individuels. Des tubes de ciment munis d'un couvercle, coulés dans des moules de bois, et qui passent par toutes les opérations. Tassement, arrosage, séchage, avant d'être enterrés le long des rues pour abriter chacun une ou deux personnes au moment des alertes aériennes. Matière pauvre contre matière riche, technique pauvre contre technique riche, on retrouve toujours le même rapport de force, et du côté américain, la même ignorance de l'adversaire. La société américaine a un principe, le plus pauvre est toujours le moins doué. Que la pauvreté puisse être justement la base d'une résistance morale supérieure à celle de l'agresseur riche, l'Amérique a cessé de le comprendre. Les bombardements du Nord-Vietnam ont été décidés parce que personne au commandement américain n'imaginait qu'un petit pays pourrait résister à la destruction matérielle. C'était encore une démonstration et elle est devenue double. Il est vrai que les Américains ont démontré qu'on pouvait, à condition d'être le plus fort militairement, pénétrer sans déclaration de guerre l'espace aérien et bombarder le territoire d'une nation aussi indépendante, aussi souveraine que la Suisse ou l'Angleterre, sans s'attirer autre chose que des blâmes diplomatiques. Mais sur le point essentiel, briser le moral du Nord-Vietnam pour lui dicter les conditions d'une paix américaine, l'expérience a échoué. Joris Evans nous écrit de Hanoï en tournant cette séquence. À force de vivre avec eux, on devient calme comme eux et sûr de la victoire. Tous les voyageurs, même les journalistes américains, témoignent de ce calme, de cette certitude. Les Vietnamiens ne plient pas. Ils subissent un crime quotidien, mais c'est un crime inutile.
avril 1967, le vice-président Humphrey vient se faire une opinion sur l'Europe et sur l'appréciation de la politique américaine par les Européens. Il s'en déclarera enchanté. Europe that has achieved an unprecedented degree of well-being, prosperity and security, and an increased sense of identity and pride. That Europe, Mr. President, is testimony to the soundness of our policies, past and present, and to the genius and the industry of the people and of the nations of that continent. And, gentlemen, I can tell you that this was possibly the most rewarding 2 weeks of political seminar that I've ever had. Get my hand.
West, they're going to bury us, and they are buried. Americans, why do you support such individuals? Come on in, folks. Join the crowd. Come on in. Support our boys in Vietnam. That you vote for the people who are supporting our brothers and sisters and everybody who's dying and supporting us in Vietnam. We're going to do it very orderly. Let's all say together the Lord's Prayer for our men in Vietnam. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but to deliver us from evil. Amen. Thank you very much. Please leave in an orderly fashion. Support your local police. Au Nord-Vietnam, dans une région bombardée, un haut-parleur convie les villageois à une séance de théâtre populaire tout en leur rappelant les consignes en cas d'alerte. Wow.
Les personnages de clowns traditionnels ont revêtu cette fois l'apparence du président Johnson et d'un conseiller qui pourrait bien être McNamara. Au cas où vous ne l'auriez pas identifié tout de suite, c'est la jolie dame qui joue le rôle de Johnson. De Radio Luxembourg présenté par Alan Country, les news. Il faut mener la vie dure au nord vietnamien et tant pis pour les victimes civiles, c'est ce que n'a pas craint de déclarer. Cherchez un livre d'Herman Kahn. Claude Rieder, écrivain, chargé par un producteur de cinéma d'écrire une analyse du livre d'Herman Kahn sur l'escalade. C'est un personnage déchiré et il l'avoue, c'est donc un personnage imaginaire. Et bien que personne ne risque de se reconnaître en lui, il nous a paru nécessaire d'écouter pour un moment contradictoire, pathétique et à sa façon honnête, la voix de la mauvaise conscience, c'est-à-dire de la mauvaise foi. Tu ressembles vraiment à une chouette. Tu sais une chose, c'est la première guerre de l'histoire que tout le monde peut voir en même temps. Personne n'a jamais vu une guerre d'aussi près. Tout le temps, au moment où elle se fait. Personne ne peut dire si j'avais su. Maintenant, ils savent, ils voient. C'est une belle saloperie, cette guerre. C'est pas seulement le pape qui le dit, c'est des gros, ces citrons. Ils savent, ils voient. Les bombes font de vrais morts, les balles font de vrais trous. Pauvres petits orphelins égarés dans un monde qui les dépasse. Et puis quoi, la pitié, la peur. Mais ça se passe dans un meuble. Pas au Vietnam, pas dans la tête, pas dans la rue, dans un meuble. On ne peut pas avoir peur d'un meuble. On a la guerre au Vietnam dans son salon comme grand-père avait la charge de réchauffer l'information. Tu sais à quoi elle amène ce genre d'information? Encore le Vietnam. Tiens, pendant la guerre du Pacifique, il y a eu un plan choc. Un Japonais brûlé au lance-flammes, qui tendait la main vers la caméra, à Manille, je crois. Un vrai symbole, toute l'horreur de la guerre. Depuis, on n'a pas cessé de le voir. Les monteurs le connaissent tellement bien qu'ils lui ont trouvé un petit nom gentil, il l'appelle Gustave.
Il a servi toutes les causes, ce brave. On l'a vu dans tous les films. Il a représenté successivement l'impérialisme japonais victime de sa folie, les peuples asiatiques victimes de l'impérialisme blanc, et l'homme éternel victime de la guerre éternelle. Comme il est nu, en flamme, il raccorde toujours. On dit, tiens, encore Gustave. On peut toujours montrer les massacres aux gens avec l'idée que ça les guérira de la guerre, mais on n'arrête pas d'en montrer. On les confond tous. On a l'impression que c'est le même plan mis en boucle qu'on nous présente tous les soirs depuis 20 ans, et ça n'arrête rien du tout. C'est facile une guerre. Tu veux pas savoir comme c'est facile? Ça demande juste un peu d'attention au début. S'arranger pour encadrer un groupe de jeunes gars jusqu'au premier mort, après ça roule tout seul. On se bat plus pour des idées, on a un copain à venger. Parce que vous n'allez pas dire qu'ils ne m'allons pas buter mon copain les fumiers, hein? Ah. Fini les sables mouvants, on est sur du solide à présent. On fait plus la guerre, on fait la vendetta. 10 millions de frères, l'arme à la main, pour venger leurs frères assassinés, leurs sœurs violées. On ne fait pas de politique, non. C'est la vendetta, c'est le crime passionnel, c'est l'acquittement assuré. Tiens, toi, moi, pour n'importe quelle raison, tu es en danger quelque part. Tu risques d'avoir mal ou de mourir. Et pour n'importe quelle raison, il y a un type là qui sait où tu es, qui pourra le dire. Et pour n'importe quelle raison, il ne veut pas le dire, il la boucle, hein. Il a ta vie, ta liberté coincée dans sa mâchoire, coincée dans sa sale petite tête close. Et je suis là en face, avec tout mon respect des hommes et tout mon assortiment de principes. Et je sais qu'en lui cognant sur sa sale petite tête close, j'en ferai sortir ta liberté ou ta vie. Et je hais la torture. Et j'ai signé des textes contre la torture. Et je sais qu'en lui faisant mal, je peux arrêter le mal qu'on te fait à toi. Alors, qu'est-ce que je fais? Tu peux me le dire, ce que je fais? Remarque, je ne me suis jamais trouvé dans une situation comme ça. L'inverse, oui. Alors, j'ai toujours mes principes. Mais c'est une chance que j'ai eue, rien de plus. Je juge les autres au nom d'une chance. Je suis parti au maquis sans me poser de questions. Les Allemands, c'était des monstres. Pas de problème. Viscéral. Je ressens encore une espèce de panique animale quand j'entends parler l'allemand. Puis je me souviens des derniers jours, quand tout d'un coup, au détour d'un petit village, nous sommes tombés sur une division blindée américaine. Les jeeps, les matériels lourds, les tanks en toc, les chewing-gums 44. J'étais plutôt content de les voir arriver. Surtout qu'il ne restait plus une seule balle. Braves Américains, je leur dois la vie. Je les aimerai toujours. Jusqu'à la fin des temps, je continuerai à tuer les Allemands et à aimer les Américains. Sauf que les Américains sont les Allemands des Vietnamiens. Tout se complique. Si on pouvait arrêter une guerre quelque part. C'est comme un incendie permanent. Il y en a un qui éclate dans un coin, des millions de pompiers se précipitent pour éteindre le feu, la plupart en crève. On éteint le feu, on respire, le temps de reprendre son souffle, ça reprend ailleurs. Et on envoie de nouveau des millions de pompiers qui se précipitent en crève, éteignent le feu, et ainsi de suite. Je m'étais bien juré que je ne serais jamais plus du côté des pompiers. Je n'avais pas pensé qu'on pouvait être du côté du feu. Seulement de quel feu, hein? Faut choisir. Le Vietnam, c'est parfait. Tout le monde est pour le Vietnam. Je connais un endroit où on donne des déjeuners Vietnam. Pour 1000 balles, tu as droit à un bol de riz. Le produit va à la Croix-Rouge, comme en 14, avec les baguettes en plus. Seulement, à ma connaissance, il n'y a pas de bol de date pour les Yéménites, et pourtant, pauvres Yéménites. Et les Kurdes, hein? On les délaisse un peu, les Kurdes et les Soudanais. 50 000 morts en moins d'un an. Et qui ça trouble, ça, hein?
C'est comme les cours de la bourse, le Vietnam est coté au plus haut, le Soudanais au plus bas et le Kurde est un peu mou. Vous dites que vous êtes du côté des victimes, mais c'est pas vrai. Vous les choisissez, vos victimes. Vous avez des victimes à la mode, celles qui vous arrangent. Personne ne peut porter toutes les morts injustes, c'est pas humain. Mais si on se met à regarder pourquoi celle-ci, pas celle-là, leur revenu annuel, la couleur de leur peau, ah, on commence à trouver de drôles de choses en soi, au fond de soi. Une ségrégation des morts, une lutte de classe des morts. Alors le Vietnam, là, c'est l'unanimité, c'est la bonne conscience retrouvée, c'est la joie, le droit, la liberté, parce que le Vietnam, c'est les Américains, et les Américains, c'est des affreux, des pas comme nous, des pas cultivés, des tyrans, des colonialistes. 40 millions d'anticolonialistes en France. Ça n'était pas tellement aperçu pendant l'Algérie, mais nous avons fait des progrès gigantesques. Alors les Américains, on ne se gêne pas pour leur dire ce qu'on en pense, les gros rusés, hein? Remarque qu'en même temps, les investissements américains en France atteignent 2 milliards de dollars. Et aucun rapport. Voilà. Paris ouvre ses portes pour laisser partir les militaires et entrer les capitaux. Moyennant quoi, on peut être anti-américain, solidaire du tiers-monde, en toute quiétude, on est couvert. Tu sais, le pire, ma petite chouette, c'est que ça m'arrange que ce soit comme ça. C'est que c'est parfait. Ça me donne le droit de traîner tout le monde dans la boue, plus moi, et d'être bon, sensible et généreux tout seul. Les salauds de la droite, les cons de la gauche, regardez, ouais, pas de danger, ça bouge pas. Voilà, les Russes en 17, c'était des vrais hommes. C'est parfait, tout le monde est à sa place, c'est comme ça que tournent les bonnes maisons. Regarde les Américains au Vietnam. Ils envoient les nègres, les paysans, les étudiants, leurs sourcils. Résultat, les étudiants s'offrent le luxe de protester. Et la grande société, elle s'offre le luxe d'avoir des étudiants qui protestent. C'est impeccable, c'est un concerto, tout le monde tient sa part. Moi, je me mets à les détester, ces Américains. Parce qu'ils commencent à en faire trop. Parce qu'ils en font tellement que ça se met à bouger. Ils avaient établi la règle du jeu et tout le monde jouait leur jeu. Et c'était tellement con qu'ils s'en sont pas aperçus. Et que ce sont eux qui sont en train de la changer, la règle du jeu. Ça pouvait durer indéfiniment, l'affluence, la coexistence. Et ce sont eux qui vont nous empêcher de jouer. J'étais bien au chaud, moi, dans ma confusion. Et où allaient les autres qui viennent me bousculer, fâche de Johnson. Bobby est plus malin. Il sait bien que la vieille baraque avait encore assez de souffle et assez de ressources pour continuer comme ça. Il y avait du pour, du contre, du yin, du yang, mais on vivait quand même mieux qu'il y a 100 ans. Et puis avec les progrès techniques, les problèmes ne se posent plus de la même façon. Vieille baraque peut-être, mais nouvelle génération de directeurs libérés des préjugés, sachant parler aux ouvriers ni comme à des esclaves, ni comme à des copains, comme à des associés. Parfaitement associés à des niveaux différents dans la même entreprise de prospérité. On discute, on négocie, on associe. Et puis crac, voilà grand-père qui devient dingue et qui se met à tirer sur les grévistes à coups de tromblon. Consternation, escalade. Du coup, tout est plus clair. J'étais révolutionnaire, au lieu d'être de gauche, je suppose que je jubilerais. Je dirais bravo. Il se démasque et montre sa sale peau. Effacer Budapest. On a fait peur à une génération avec les massacres révolutionnaires, mais maintenant c'est vu, on a vu. Quand les contre-révolutionnaires s'y mettent, pardon, ils sont doués, hein. On avait un peu oublié ça par ici depuis M. Thiers. Les Allemands, c'était des Allemands, qu'ils soient fascistes, ça n'avait rien d'étonnant. Pour un peu, on aurait dit que c'est parce qu'ils étaient Allemands qu'ils étaient fascistes. Mais voilà les Américains. Des gens convenables, démocrates en diable, tous les ouvriers ont des bagnoles, et pacifiques, pacifiques. La violence, c'est les autres, la guerre, c'est les autres. Et ils ont été obligés de la faire pour les aider, les autres, tellement en pommes. Mais maintenant, c'est fini. Encore un peu de tirage avec les Russes, mais ça aussi, ça se tasse. Interlude, détente, idylle. Non, mais pas du tout, ça bouge encore dans un coin, et ça bouge même violemment. Alors les dieux se réveillent, leur paix c'était de la guerre en conserve, fin de l'idylle. Et ça débarque, et ça bombarde, et ça napalme, et ça torsionne, et ça pourrit.
Et tout le monde déguste, les militaires, les femmes, les enfants, les arbres, les bestiaux, le nord, le sud. Il y a une frontière, on la saute, il y a un village, on le déporte. Et le monde entier regarde dans l'ébauvissement et commence à comprendre. Il y a de quoi jubiler, je vous dis. Ben moi, je ne jubile pas. Je n'ai qu'une vie, ils n'ont qu'une vie. Il faudrait que je sois drôlement sûr de savoir donner la mienne pour avoir le droit de les applaudir quand ils donnent la leur. Autrement, ça ressemble trop aux imbéciles du dimanche assis dans leur stade. Allez, Vietnam! Alors là, je bloque. Je veux pas comprendre. Non, c'est comme si le Vietnam était devenu autre chose qu'un pays. Autre chose même qu'un symbole. Une expérience. Et qu'entre ceux qui attendent qu'elle réussisse et ceux qui attendent qu'elle rate, il s'était établi une espèce de complicité monstrueuse pour qu'elle dure. Et là-dessus, c'est vrai, je me bouche les yeux et je me bouche les oreilles. Parce que si ça veut dire quelque chose, c'est justement que ça dure. Que tout dure, qu'il n'y a pas de fin à rien, ni à la guerre, ni à la cruauté, ni à la violence, à rien. Qu'est-ce qu'ils voulaient, les cons qui m'ont filé ce bouquin? Je sais même pas lire le journal. Dès que ça résonne, dès que ça explique, j'entends plus rien. J'ai pas l'oreille. J'ai pas l'oreille accordée pour ça. Tout ce que j'entends, c'est le cri. Je sais pas comment vous faites, je sais pas comment on peut négocier avec le cri. Je sais pas ce qu'on peut faire d'autre que de creuser comme une bête à la recherche de l'endroit et du moment où on cessera de l'entendre, ne serait-ce qu'une minute. Je vais pas écrire leur texte. Je vais rien leur dire. Je vais venir près de toi et je vais te parler d'un pays qui n'est pas le Vietnam. D'un pays qui n'existe pas. Je vais pas leur écrire. Je sais plus rien. Je veux plus rien. Je vais leur dire que j'ai peur, que j'ai froid, que je les aime tous, que je les hais, que nous allons tous mourir. Que nous aimons vivre. Je sais plus. Je sais rien. Je créerai rien. La politique d'intervention des États-Unis au Sud-Vietnam est en train de saboter les accords de Genève ainsi que la paix et l'unification. Le 20 juillet 1954, un général français et un commissaire Viet Minh signent les accords de Genève. La guerre d'Indochine, la guerre française est terminée. Mais la guerre du Vietnam, la guerre américaine, a déjà commencé. Dès la fin de 1949, pour mieux souder Paris à la coalition atlantique, Washington a entrepris d'aider la France à se maintenir en Indochine. En février 1951, trois ans avant Genève, Ho Chi Minh dénonce les Américains comme les vrais adversaires de la révolution vietnamienne. Et il est vrai que désormais, le financement de la guerre est assuré par Washington. Avril 1954, Tien Bien Phu va tomber. Le gouvernement lanié à la folie supplie Washington d'intervenir directement en déclenchant des raids aériens massifs contre les assiégeants. Le gouvernement américain refuse de prendre ces risques. Dulles élabore une autre stratégie, négliger le compromettant allié français, lui laisser faire une mauvaise paix, figeant tant bien que mal la vague communiste. Puis, à partir d'un tremplin préservé, préparer la contre-attaque anticommuniste. Le mot est prononcé le 3 juin par Dulles, six semaines avant les accords. Les États-Unis n'ont pas voulu se battre, mais ils ne veulent pas non plus s'associer à la paix qui n'est à leurs yeux qu'une trêve. La déclaration finale de la conférence de Genève garantit aux Vietnamiens que leur pays, provisoirement divisé pour les besoins de la détente internationale, sera réunifié avant deux ans.
Les Américains refusent ce texte. Ils déclarent seulement qu'ils ne détruiront pas les accords par la force. Étrangement, tout le monde se contente de cette maigre assurance. Ainsi, à la fin de juillet 1954, les Américains, sans livrer le moindre combat, sans prendre le moindre engagement, ont obtenu que les vainqueurs de Dien Bien Phu abandonnent un tiers des territoires que Giap avait gagnés par les armes. Il suffit de ne tenir aucun compte des promesses de Genève pour transformer cette négociation en marché de dupes. Les Vietnamiens s'en souviendront, à l'avenir, quand on leur parlera de négociations. Alors débute la contre-attaque américaine. Washington utilise les clauses des accords de Genève qui permettent la survie d'un régime tout dévoué et ignore les autres. Première opération, le transfert des responsabilités militaires et politiques de la France aux États-Unis. De juillet 1954 à avril 1956, Washington obtient l'effacement à son profit de ce qui reste de présence française. Le Viet Minh a signé avec les Français qui ont pris des engagements. Il se retrouve face aux Américains qui n'en ont consenti aucun. Seconde opération américaine, la mise en place du régime des mandarins catholiques. En 2 ans, à coup de gros chèques de chasse aux sorcières et de lois d'exception, un bastion anticommuniste de type sud-coréen est créé à Saïgon. Quant aux élections, pour la réunification du pays prévue pour 1956, il n'en est plus question. Le général Eisenhower écrira dans ses mémoires que des élections au moment des combats auraient donné 80% de voix aux communistes. À la fin de 1956, les dirigeants de Hanoï doivent faire face à 2 évidences pénibles. La réunification pacifique du Vietnam n'aura pas lieu. Saïgon s'y oppose, approuvé par Washington, et ni Moscou ni Pékin ne sont décidés à prendre des risques sérieux pour assurer l'application du traité. Deuxièmement, aux Français fatigués se sont substitués à Saïgon, toujours en violation des accords de 1954, les Américains revanchards. Les vainqueurs de Dien Bien Phu se voient ainsi frustrés par une série de tours de passe-passe de la victoire qu'ils ont remportée sur le terrain. Ils sont refoulés et enfermés dans le ghetto du Nord, que la modicité de ses ressources agricoles voue à la pénurie, et donc, à long terme, à la dépendance vis-à-vis de la Chine. Au Sud, c'est la répression policière. Le gouvernement du Nord pourrait-il accepter longtemps cette situation? En 1958, le mythe de la coexistence pacifique est encore trop neuf pour qu'on mette délibérément en péril la fragile détente internationale. La politique de Khrushchev pousserait plutôt Hanoï à la patience. Mais c'est du Sud que va venir la sommation au combat. Au Sud du 17e parallèle, en effet, tout ce qui se réclame de la gauche est voué à la destruction. Le gouvernement Diem a sa Gestapo et ses camps de concentration. Son refus des élections en 1956 achève de convaincre les révolutionnaires vietnamiens qui n'ont plus qu'une issue, la lutte armée. Dès 1958, des observateurs américains signalent l'apparition d'un organisme appelé Front de Libération. En septembre 1960, à l'occasion du 3e congrès du parti, Hanoï accepte de donner sa caution et son aide aux maquisards du Sud. 3 mois plus tard, le 20 décembre 1960, le Front National de Libération du Sud-Vietnam fait officiellement connaître son existence. Dès lors, l'insurrection va s'élargir en révolution contre le régime diémiste, oppresseur du Sud et diviseur du Vietnam. Et le Nord va être amené à une participation croissante au combat. En février 1962, Washington annonce la création d'un commandement américain au Vietnam, rendant ainsi publique son intervention militaire directe dans la guerre civile. Au département d'État,
On parle de résister à l'agression. On évoque le précédent de Munich. Mais le vrai précédent, c'est la guerre d'Espagne. Et le vrai rôle des États-Unis dans cette guerre, c'est défendre une clique d'extrême droite contre la volonté populaire. Le 1er novembre 1963, l'assassinat de Diem, avec la complicité des services spéciaux américains, rend plus claire encore la nature du conflit. Il ne s'agit plus désormais d'une guerre civile entre la gauche et la droite vietnamienne. Il s'agit désormais de l'intervention américaine contre l'autodétermination du peuple vietnamien. Après 18 mois d'expédients, un chassé-croisé de personnages fictifs au falot, une dernière tentative de camoufler encore le caractère de leur action, les Américains jettent le masque le 8 février 1965. Incapables de gagner la guerre sur le terrain, c'est-à-dire dans la jungle et la rizière du Sud-Vietnam, ils la portent au nord en systématisant les bombardements. C'est l'escalade. Depuis lors, cette escalade s'amplifie. Les bombardements dont vous avez vu l'image ne sont pas des opérations de guerre, ce sont exactement des séances de torture. Le but est de faire plier la victime, de briser sa résistance, et les agresseurs n'en font pas mystère. Mais cette fois, le supplicié n'est plus à la merci du tortionnaire. Il se bat. Il se battra jusqu'à sa victoire, dont il a déjà défini les termes. Intégrité territoriale, réunification, autodétermination, fin des ingérences étrangères. Les Américains se trompent en croyant qu'en bombardant le Nord, il pourra gagner la guerre dans le Sud. Jamais, jamais, ils gagneront cette guerre. Et jamais, jamais, nous supplétrons. Parce que notre guerre, c'est une guerre patriotique, c'est une guerre juste. Et nous sommes décidés à lutter. Que ce soit 5 ans, 10 ans, 20 ans ou davantage, nous gagnerons. Cette idée de victoire qui n'est pas la sanction d'une conquête mais la reconnaissance d'un droit, il est assez vain de l'opposer à l'idée de paix. Pour un Vietnamien, la paix reste le seul but, mais la victoire reste le seul chemin. Vietnam Goddard 1 première. D'une voix rauque, il a prononcé l'acte d'accusation de la femme. C'était un petit homme qui avait un uniforme gris délavé. Et il allait et venait devant elle. Et alors peu de temps après, deux Thunderchief se sont mis à tourner autour de nous. Et on les entendait qui grondaient parce qu'ils volaient en rase-motte et on entendait l'explosion de leurs bombes qui tombaient. Et lorsqu'il s'est redressé, dans sa main il y avait un couteau avec un manche un peu dans le genre de ceux qu'emploient les paysans pour ouvrir les noix de coco. Parce que les chasseurs bombardiers sont équipés de mitrailleuses de 20 mm qui peuvent tirer, je crois, 6000 coups à la minute, c'est-à-dire produire une série d'explosions absolument effarantes. Les paysans étaient toujours immobiles et ils contemplaient le spectacle. Il y a une fusée F-105 qui a passé avec un miaulement vraiment à un mètre au-dessus de nos têtes. Et tout ça avec quelque chose de très étrange. Et les paysans étaient
était toujours immobile et il regardait le spectacle. Tout ça avait quelque chose de très étrange. Eh bien, je pense que si j'avais été un caméraman des actualités, un caméraman de la télévision du réseau ABC de New York ou San Francisco, c'est... Si j'avais été un caméraman des actualités soviétiques, c'est ça que j'aurais filmé, je pense. Mais j'habite Paris et je ne suis pas allé au Vietnam. Je voulais aller au Nord-Vietnam il y a un an et demi. Je me souviens, j'avais écrit à la délégation nord-vietnamienne ici et je leur avais demandé l'autorisation de venir filmer chez eux. Puis Hanoï à la Lapre, au bout de 7 ou 8 mois, enfin, j'ai appris qu'ils avaient refusé parce que j'étais pas... Enfin, pour eux, j'étais pas, je pense, un garçon sur lequel, enfin, disons, aux bases, disons, à l'idéologie un peu vague sur laquelle ils ne pouvaient pas compter. Enfin, je pense qu'ils avaient sûrement c'était une très bonne raison, ils n'avaient pas tort. C'était une époque où je voulais aller à... Enfin, comme c'est difficile de faire du cinéma en France, enfin, c'est une époque où je voulais aller, je me disais, il faut aller à Cuba, en Algérie, ou à la rigueur, en Yougoslavie. Et puis ce refus de Hanoï, enfin, m'a montré, enfin, qui vraiment, puisque... Je suis parisien, enfin il n'y a pas de raison de ne pas faire de cinéma à Paris. Alors j'ai pris la décision, enfin dans chaque film, de parler du Vietnam à tort et à travers, si on veut, mais disons à travers plutôt. Eh bien, oui, quand les gens qui ont participé à ce film, alors m'ont demandé de participer à leur film, enfin j'ai dit oui, on a plein d'idées, et puis... Et puis c'était des idées, c'est pas tant, enfin, le fait que Hanoï ait refusé que j'aille chez eux, enfin, et que je pense qu'ils aient eu raison, parce que j'aurais pu faire des choses qui leur faisaient plus de mal que de bien, fait que toutes ces idées, j'ai pensé que c'était des idées, enfin, faussement généreuses, enfin, ça me paraît difficile de faire des choses, alors, enfin, de parler des bombes, alors qu'on ne les reçoit pas sur la tête, et d'en parler dans la presse. Je pensais par exemple à illustrer, à prendre un corps de femme nu, qui est quelque chose dont il y a de plus chaud et de plus vivant, et de décrire simplement à la Robbe-Grillet, enfin voilà, à la Flaubert plutôt, parce que j'aime pas tellement Robbe-Grillet, de montrer quels seraient les effets d'une bombe à billes sur un corps de femme. Et donc simplement le dire. Mais en même temps, il y avait un effet, il y avait une certaine recherche esthétique. Et je n'arrivais pas, et plutôt je séparais. Je n'arrivais pas à faire coïncider, à faire que l'effet, disons que le contenu et la forme, je puisse l'exprimer du même moment. Et donc c'était mauvais, parce que cette idée, cette forme, n'était pas... à l'intérieur du contenu, elle n'en était pas l'expression normale comme la peau recouvre le corps et en fait partie totalement, autant que le cœur. Donc je voulais parler de la défoliation aussi, des rivières empoisonnées, montrer toutes ces choses, puisque les hommes, enfin, étant donné que nous ne luttons pas, nous, les armes à la main, et qu'au contraire nous en sommes loin, enfin, et qu'on a beau dire que notre cœur saigne, en fait, il saigne, mais à quoi ce sang n'a aucun rapport avec le sang de n'importe quel blessé. Donc, je veux dire, c'était une sorte de... Ce rapport, il y avait une certaine honte. C'était quand même des idées honteuses, comme quand on signe des appels pour la paix, surtout, comme... Et c'est pour ça, enfin, je crois, la seule chose que nous pouvons faire, nous faisons du... Enfin, on fait du cinéma. Moi, je fais du cinéma, donc ce que je peux faire de mieux pour le Vietnam, je crois, c'est de...
plutôt que d'essayer d'envahir le Vietnam par une espèce, par une générosité qui force forcément les choses, c'est au contraire laisser le Vietnam nous envahir et se rendre compte quelle place il occupe enfin dans notre vie de tous les jours, partout. Et alors on se rend compte enfin que le Vietnam enfin n'est pas tout seul enfin, et que toute l'Afrique et toute l'Amérique du Sud et qu'il faut donc commencer par créer avec, quand Che Guevara dit créons deux ou trois autres Vietnam, on peut l'appliquer à soi-même, enfin, c'est créer un Vietnam en soi-même. Et alors si on est en Guinée, c'est contre les Portugais. Si on est à Chicago, c'est pour les Noirs. Si on est en Amérique du Sud, c'est pour l'Amérique latine, qui est un pays entièrement colonisé, d'abord colonisé par la culture espagnole et française, et aujourd'hui colonisé par l'économie américaine. Créer un Vietnam en nous, enfin, je sais pas, par exemple en France, cette année, c'était l'été dernier, les grandes grèves qu'il y a eu à la Rodia Seta à Besançon ou à Saint-Nazaire sont des choses qui sont profondément liées au Vietnam. Pour un ouvrier de la Rodia Seta, la lutte du Nord-Vietnam, lui, il doit en tirer des leçons quand il lutte contre, avec son syndicat, il doit en tirer des formes de principe, parce que finalement, s'il trouve par exemple à Rodia Seta que ses cadences de travail sont trop fortes, qu'il ne peut ni plus ni vivre, ni dormir, ni penser, il ne peut même plus lire, que finalement il est un sous-homme, un sous-produit, et il se sent exploité. Moi, par exemple, cinéaste qui tourne en France, je suis par exemple complètement coupé d'une grande partie de la population et de la classe ouvrière en particulier. Et ma lutte à moi, qui est la lutte contre le cinéma américain, contre l'impérialisme économique et esthétique du cinéma américain qui a gangréné maintenant le cinéma mondial, est finalement une lutte à peu près semblable. Or, nous ne nous parlons pas, et finalement le public ouvrier ne va pas voir mes films. Mais entre moi et lui, disons, il y a la même coupure qu'entre moi et le Vietnam, ou bien lui et le Vietnam. Nous nous intéressons moins l'un à l'autre, autrement que par un sentiment, disons, de générosité, mais qui ne correspond pas vraiment à la réalité. Nous ne nous connaissons pas, parce que nous sommes dans une sorte, moi, dans une sorte de prison culturelle, et l'ouvrier, la Rodia Seta, dans une sorte de prison économique. Le Vietnam, aujourd'hui, c'est un symbole, disons, plus général que les autres de résistance, et donc il faut en parler sans arrêt. Il y a un texte de Breton là-dessus, qui est dans ses premiers manifestes, qui était « Je crois à la vertu absolue de tout ce qui s'exerce, spontanément ou non, dans le sens de l'inacceptation. Et ce ne sont pas les raisons d'efficacité générale dont s'inspire la longue patience révolutionnaire, raisons devant lesquelles je m'incline, qui me rendront sourd aux cris que peut nous arracher à chaque minute l'effroyable disproportion de ce qui est gagné à ce qui est perdu, de ce qui est accordé à ce qui est souffert. » Les deux phrases à souligner dans ce texte sont la longue patience révolutionnaire et l'autre, c'est le cri. Eh bien, nous qui ne sommes pas dans une situation révolutionnaire en France, nous devons crier au contraire plus fort. Peut-être les autres peuvent moins crier, et ceux qui sont, Régis Debray ne crie pas, Che Guevara non plus, ils sont des vrais révolutionnaires, nous qui ne pouvons plus l'être ou pas encore, il faut justement écouter et retransmettre ces cris le plus souvent possible. Coupe. Le chanteur américain Tom Paxton explique le but de guerre des États-Unis. Protéger le Vietnam des Vietnamiens. I got a letter from LBJ. It said, this is your lucky day. It's time to put your khaki trousers on. Though it might seem very queer, we've got no job to give you here. So we are sending you to Vietnam.
And Lyndon Johnson told the nation, have no fear of escalation. I am trying everyone to please. Though it isn't really war, we're sending 50,000 more to help save Vietnam from Vietnamese. I jumped off the old troop ship, I sank in mud up to my hips, I cussed until the captain called me down. Never mind how hard it's raining, think of all the ground we're gaining, just don't take one step outside of town. And Lyndon Johnson told the nation, have no fear of escalation, I am trying everyone to please. Though it isn't really war, we're sending 60,000 more to help save Vietnam from Vietnamese. Every night the local gentry slip out past the sleeping sentry, they go out and join the old VC. In their nightly little dramas, they put on their black pajamas and come lobbing mortar shells at me. And Lyndon Johnson told the nation, have no fear of escalation, I am trying everyone to please. Though it isn't really war, we're sending 70,000 more to help save Vietnam from Vietnamese. We go round in helicopters like a bunch of big grasshoppers searching for the Viet Cong in vain. They left a note that they had gone, they had to get down to Saigon, their government positions to maintain. And here I sit in this rice paddy wondering about Big Daddy, and I know that Lyndon loves me so. Yet how sadly I remember way back yonder in November when he said I'd never have to go. And Lyndon Johnson told the nation, have no fear of escalation, I am trying everyone to please. Though it isn't really war, we're sending 100,000 more to help save Vietnam from Vietnamese. Michel Reck était en reportage du côté américain, avait vécu trois semaines avec ceux que la presse appelle les Viet Cong, les Américains Victor Charlie et les Vietnamiens Front National de Libération. À son retour, elle ne voyait plus la guerre de la même façon. Tous les jours, 100 tonnes de napalm et 200 tonnes de bombes de toutes sortes sont déversées sur le sol Sud-Vietnam et pour la contribution de la seule Air Force. Après trois semaines de l'autre côté, avec Victor Charlie, comme disent les GI, j'ai été ramené dans une zone occupée par les troupes américaines. Officiellement, je devrais, j'imagine, être heureuse. Et pourtant, j'étouffe. Je me sens écrasée par leur force implacable. Je voudrais ne plus les voir, ne plus entendre leurs plaisanteries, ni surtout ces bruits incessants d'hélicoptères qui transportent avec la même indifférence les hommes qui vont à la guerre, le ravitaillement en nourriture ou en munitions, ou les roquettes qu'ils lâchent sur tout ce qui bouge au sol. Trois semaines pendant lesquelles j'ai sursauté au moindre bruit de moteur ou de réacteur. Et lorsque les bombardements se rapprochaient trop, alors, comme les soldats du front, le simple paysan, les femmes, les enfants, je me tairai dans des cages creusées à 1 mètre de la surface du sol, avec un bon bout pour respirer, pendant qu'au-dessus de nous, l'apocalypse se déchaînait. La peur, le manque d'air, le sol qui tremble, nous nous donnons la main. Nous avons besoin de sentir que la chaleur humaine existe. Le calme revenu, le danger éloigné, la vie reprenait ses droits, et leur rire me touchait jusqu'au plus profond du cœur. Mais Joe, Jack ou Mike ne veulent pas croire en cet ennemi qui a la tranquille assurance de ceux qui savent qu'ils triompheront un jour. Ils préfèrent penser aux statistiques de la propagande officielle affirmant « le Viet Cong a mauvais moral ». Ils voudraient amener à eux cette population qu'ils bombardent. Alors les opérations sanitaires se multiplient. Les GI se transforment en infirmiers et leur regard signifie clairement « Vous voyez, nous ne sommes pas des monstres ». Leur conscience est nette et la journaliste américaine pourra faire un excellent papier.
patrouilleurs de rivière opèrent 24 heures sur 24. Chaque transport, chaque jonc qui fouillait. Trois officiers américains pour un officier de police vietnamien. Lui seul a le droit de vérifier les papiers, d'ailleurs écrits en vietnamien, de monter sur les embarcations. Malgré ces contrôles sévères, incessants, tous les jours des gens chargés de matériel ou de ravitaillement passent de l'autre côté. Dans d'autres zones, dans la province de Binh Dinh en particulier, à cause des bombardements incessants, la population a été évacuée dans des camps de regroupement. Mais les champs sont loin et les bicyclettes sont rares. Alors, tous les matins, les Coréens de la Tiger Division les emmènent sous protection armée faire leur récolte. Le soir, au retour, les balanciers chargés au maximum, c'est la cohue. Les soldats toujours là, toujours présents. Les Vietnamiens n'aiment pas ces Coréens qui savent se faire craindre. N'oublie pas non plus que sous l'occupation japonaise, c'était des Coréens qui avaient la garde des camps. Toutes les semaines, le nombre des réfugiés augmente. En les voyant, je ne peux m'empêcher de penser à ce que m'avait dit un de mes compagnons Vietcong. Le terrain gagné par les Américains veut dire bons habitants déplacés dans des camps de regroupement que nous appelons, nous, camps de concentration. Les impérialistes les appellent peut-être des ralliés, mais ils sont pour nous et continuent à faire office d'agents de renseignement. Leur cœur n'est pas de l'autre côté. Pour eux, l'ennemi, ce sont les Américains qui bombardent, qui les forcent à quitter les villages en abandonnant tout. S'ils ne sont pas tous guerrieros en armes, ils sont tous pour nous. Vietcong ou simplement suspect. Ils me regardent, m'examinent. Je voudrais leur faire un clin d'œil, leur dire que si j'étais vietnamienne, je me battrais avec eux, car il ne me serait pas possible de croire au gouvernement de qui et à ses fantoches. Une armée US de 465 000 hommes, en attendant mieux, et une armée sud-vietnamienne où le pourcentage de désertion augmente chaque mois. Les Sud-Vietnamiens estiment que cette guerre ne les concerne pas, que c'est une guerre américaine. Alors ils se font traiter de lazy little dirty boots, sales petits pouilleux de lâcheurs, par leurs conseillers US qui les méprisent et qui les méprisent. Les officiers américains disent cette chose surprenante. Pourquoi ne sommes-nous pas les conseillers des Vietcong? Eux sont des soldats. Des renforts amenés par hélicoptère, des fouilles dans des villages vides, les alentours des maisons examinés de près. Des containers enterrés sont mis à jour et les trésors de Victor Charlie, des médicaments, sont foulés aux pieds, écrasés. Les habitants sont partis, enfuis ou cachés, enterrés peut-être quelque part, là, mais impossible de rien distinguer. Des suspects. Mais qui n'est pas suspect au Sud-Vietnam? Même les femmes, même les enfants doivent suivre. Ils seront interrogés eux aussi. Il est toujours difficile d'être un témoin, surtout le témoin impuissant d'une guerre. Être derrière la caméra ne signifie pas être neutre. Je filme un côté, mais mon cœur est en face avec ces suspects, avec ce gosse.
Les balles sifflent aux oreilles de ceux qui refusent de parler. Et la longue marche reprend à la poursuite d'un ennemi qui se dérobe sans cesse et qui finalement garde l'initiative des opérations. Michel Ray a filmé ses images de guerre, puis sa caméra est devenue folle, s'est mise à déchirer la pellicule, et ce qui en est sorti ressemblait peut-être plus que tout le reste au cri qu'elle aurait voulu pousser. Le général Westmoreland, commandant en chef des forces américaines au Vietnam, présente la thèse officielle des États-Unis. Their own image of the war. The real objective of the war is the people. What we have is not a civil war. It is a massive campaign of external aggression from North Vietnam. The Viet Cong is not a legitimate nationalistic movement. It is a movement organized, controlled, and supported by the communist government of North Vietnam. What support it gets from the people in South Vietnam is largely the result of terror, intimidation, and murder. One of the regrettable facts of war, any war, is the casualties that are not confined to the military forces involved. There are civilian casualties in Vietnam. And these are of constant concern to me, my commanders and men. But civilian casualties do not result from indiscriminate use of our firepower. They are caused by mechanical failure or human error. This is in sharp contrast to the Viet Cong policy of calculated attacks on civilians. Never in history of warfare have so many precautions been taken by men in combat. Never has a nation employed its military power with such restraint. I am constantly impressed by the concern for the lives of others shown by the men of my command. They know that they are helping to stop the spread of communism in Southeast Asia and to give the people of South Vietnam a freedom of choice. But they are dismayed, and so am I, by recent unpatriotic acts here at home. But I am mindful that the military war in South Vietnam is, from the enemy's point of view, only part of a protracted and carefully coordinated attack. He does not understand that American democracy is founded on debate. And he sees every protest as evidence of crumbling morale and diminishing result. Thus, discouraged by repeated military defeats, but encouraged by what he believes to be popular opposition to our effort in Vietnam, he is determined to continue his aggression from the north. This inevitably will cost lives. The magnificent men and women I command in Vietnam have earned the unified support of the American people. Thank you.
leçon de Victor Charlie, c'est que la réponse à la bombe atomique n'est pas une autre bombe atomique, mais la plus ancienne forme de résistance humaine, la guerre de guérilla. Nous avons demandé à Fidel Castro, qui connaît passablement la question, de nous dire comment et pourquoi la guérilla doit gagner. Sobre la question acerca de si la lucha armada es el único camino para la liberación, lo que puedo responder es que, por lo menos en las condiciones de nuestro país, no había otro camino. Y en nuestra opinión, en las condiciones de la inmensa mayoría de los países de América Latina, no hay otro camino que la lucha armada. Y esa parece ser la situación también en muchos otros países de Asia y de África. Por lo general, siempre el imperialismo cuenta con todos los medios, aliado con las oligarquías de cada uno de los países, para impedir el triunfo democrático de la revolución. Y tiene atados a los pueblos por una especie de nudo gordiano, que solo se puede quebrar mediante la lucha armada. Además, el camino de la lucha armada no es el camino que hayan escogido los revolucionarios, sino es el camino que los opresores le han impuesto a los pueblos. Y los pueblos entonces tienen dos alternativas: o doblegarse o luchar. Y luchar de la única forma en que pueden llegar a vencer al enemigo, que tiene más recursos económicos, infinitamente más, que tiene mucho más recursos técnicos. La guerrilla significa el empleo de los recursos del terreno y sobre todo el empleo de los recursos sociales de un pueblo para superar las ventajas que el enemigo posee en recursos técnicos y en recursos de tipo económico. El guerrillero, mediante una táctica hábil, muy flexible, mediante la explotación al máximo de todas las ventajas del terreno, mediante la movilización de los recursos sociales, es decir, de los sectores que son mayoritarios de la población, que son los sectores explotados, los sectores obreros y campesinos, y inspirado en una causa justa, inspirado en un factor moral muy poderoso, que los hace capaz de soportar privaciones, de adaptarse a las condiciones de vida más difíciles. Toma ese camino, que es el único camino, para lograr conseguir un objetivo revolucionario. Eso fue lo que nosotros hicimos. Para poder hacer todo lo que hoy estamos haciendo en nuestro país, para poder llenar estas montañas de carreteras, para poder crear las condiciones de vida decorosas para el pueblo, para erradicar la ignorancia, para desarrollar en todos los órdenes a nuestro pueblo, fue necesario. Lo hicimos y ahora estamos haciendo esto. Pero al mismo tiempo, también nos preparamos para defender lo que estamos haciendo. Sabemos que ningún país, en las condiciones que ha creado el imperialismo en el mundo de hoy, se puede sentir seguro. Por eso hay que trabajar en dos sentidos. En un sentido creador, para llevar a cabo la obra de la revolución, y en un sentido también defensivo, preparándose para afrontar cualquier situación de peligro o de agresión al país. Vietnam le ha demostrado definitivamente al mundo y a todos los revolucionarios y a todos los pueblos que se enfrentan al imperialismo cómo ni siquiera con la técnica más moderna, con los ejércitos más numerosos y más poderosos, ni siquiera con una coalición de ejércitos bien armados, como el que ha organizado Estados Unidos en Vietnam, es posible aplastar el movimiento revolucionario guerrillero apoyado en el pueblo. No creo que nadie dude hoy día de que el ejército de Estados Unidos ha fracasado en su guerra contra el pueblo heroico de Vietnam. Y creemos que ese es uno de los más grandes servicios que el pueblo de Vietnam le ha prestado al mundo.
On November 2nd, 1965, Norman Morrison, a Baltimore Quaker, killed himself in front of the Pentagon by setting fire to his gasoline-soaked clothes. In inflicting violence upon himself to a limit hard to exceed, he wished to bear witness to the violence inflicted upon the Vietnamese people by his compatriots. The effect of his sacrifice upon the Americans is still difficult to measure, but the Vietnamese have got his message, and they have understood it. Nguyen, a Vietnamese who lives in Paris with her three children, spoke to us about Morrison and his wife Anne, to whom Morrison wrote a few moments before his act, "I have seen what I must do as clearly as on that Friday night in August when I knew that you would be my wife." Pour le peuple vietnamien, c'est quelque chose de formidable de penser qu'un Américain manifeste de cette façon en se sacrifiant et en sacrifiant le bonheur de sa famille même pour une cause juste. Je trouve qu'il faut vraiment être infiniment sincère avec soi-même et courageux, bien sûr, pour arriver à ce geste-là. Et pour nous, non seulement le personnage de Morrison, enfin, le geste qu'il a fait, très émouvant, a suscité non seulement de l'estime et un profond respect, une profonde admiration, mais je crois qu'il a encore augmenté l'amitié du peuple vietnamien pour le peuple américain. L'Amérique agresse un peuple qui ne lui fait aucun mal, car nous nous défendons contre les bombardements, les massacres, toutes les atrocités, mais nous pensons même qu'en Amérique, il y a une autre guerre, une guerre du peuple contre tout ce qui est injuste. Nous faisons une très très grande confiance au peuple américain, et ce geste encore a augmenté en nous cette confiance et puis cet espoir qu'un jour, vraiment, les deux peuples, au lieu de s'unissent quoi pour combattre l'erreur. To understand what happened to Norman that day, we might begin with an article that he was reading and which was recorded in a Paris paper. The article was a story of a Catholic priest in South Vietnam who had seen his people massacred by United States and South Vietnamese bombs. This was all because Viet Cong had been known to be in the community and had taken refuge in the church at one point, but they were far removed from the village at the time that the airstrike was called on the village in South Vietnam. Can you get down? No. No more. This article was extremely moving to Norman. Most everyone knows he went to the Pentagon and poured kerosene on himself and used this form of protest, one that the Buddhist monks in South Vietnam had used, I think, a few times before. And around supper time, I began to get phone calls telling about what had happened. I didn't know for sure whether he was alive or dead, the exact details of it, until I actually went to Fort Myer infirmary that night. J'imagine qu'elle doit être tellement en accord avec son mari, qu'elle trouve son geste pas tellement extraordinaire. Enfin, je veux dire qu'elle consent vraiment à ce geste, je crois, pour garder cette sérénité et cette maîtrise d'elle-même. Oui, je l'admire vraiment beaucoup. I had no trouble understanding it at all because of the
the kind of person that Norman was. Quite often at mealtime, we would talk about the incongruity of our health and prosperity and our three healthy, lovely children, contrasting this with the suffering of the people in Vietnam and how difficult it was to know that we were in some way responsible for this, how difficult it was to live with this. Part of what he must have wanted to say was, this is how it feels to be burned, as we are burning people, women and children and men, every day. I knew that Norman was a kind of person who was willing to make a sacrifice for others if it seemed necessary. To do otherwise would be unbearable. For some people, it was an act of affirmation that one person can care that much for humanity to give his life. I told both of his children what had happened right after they waked up the next morning. So I think somehow they probably understood better than the average children would, because they knew how Norman felt. Tina said, Daddy has died, but now his love has spread. Ceux qui étaient jusque-là encore hésitants, après cet acte pourraient mieux prendre position. C'est dans ce sens qu'il trace la voie, enfin, à ceux qui veulent bien voir la vérité, qui veulent bien la chercher. Je crois que tout ce qui est juste et vrai finira par triompher. But I know one thing for absolutely sure, that individual lives have been changed by this. Yes. Changed in some cases dramatically towards concern for society. And I think it has been worth it. I mean, I think he would say this, I mean, a thousand times over. Love. And make love. 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 Ces démonstrations antipatriotiques blâmées par le général Westmoreland vont culminer le 15 avril 1967. Du centre de New York au bâtiment des Nations Unies et dans les rues des grandes villes américaines, plus d'un demi-million de gens manifestent. Il y a là le Conseil national des églises, le SNCC, le contingent des Indiens d'Amérique, le Parti communiste, le groupe des non-affiliés et beaucoup d'autres. C'est la plus grande démonstration de masse de l'histoire des États-Unis. C'est aussi la fin d'une époque. La société américaine se désintègre à toute allure et le monolithisme de l'État ne suffit pas à la consolider. Les forces militaristes de droite, officielles et non-officielles, sont armées autant qu'elles peuvent l'être, mais on voit ici apparaître ceux qui vont passer de la protestation à la résistance. En déployant le drapeau du Front de Libération du Sud-Vietnam, ils s'identifient ouvertement aux forces révolutionnaires qui attaquent l'impérialisme américain sur trois continents. Les quelques livrets militaires qui seront brûlés au cours de cette manifestation témoignent du mouvement de résistance à la mobilisation qui englobe déjà plusieurs milliers de jeunes Américains. Il y a ici également des représentants de la tendance Black Power. Le pouvoir au noir. D'autres sont restés chez eux. Ils s'arment pour l'été à venir. Thank you.
are you going? Hell no! A little louder! Hell no! Black people! Hell no! White people! Hell no! God! Black power! Beep beep! Bang bang! Unga! Black power! Beep beep! Bang bang! Unga! Black power! Beep beep! Bang bang! Unga! Black power! You should be ashamed! Aliens! What do you want? Communism right on your front door? I've got to say, we've got moral and legal obligations. And you people aren't letting us do it. But giving us all this glory. Go ahead and fight. Beautiful son. You make me laugh. How can you do this? You have enough people here to end the war tomorrow. And for your kids, you don't know what you want. Chicken. Victory! We want peace! Yellow! Your voices be heard against North Vietnamese aggression, against rule by terror. The United States is not a nation of aggressors, of murderers. You know it in your hearts, every one of you knows it. If the North Vietnamese come to the conference table tomorrow morning, the war ends tomorrow morning. Don't protest only against America. How many people were there? The history asks, was this the greatest mass demonstration in the American territory anywhere in the world against the war? And the answer will be yes. The whole issue is between the power structure of the Western world want to police the whole entire world with white supremacy of nationalism. No black man should go because it is a genocide against the history of the black peoples in America. We are tired of fighting it. I'm for killing the Vietnamese people when they come here. That's right. So they're fighting for liberation, independence, democracy, equality, and peace.
and the Viet Cong are never going to surrender. They're never going to give their country away. Even Viet Cong. And America number one is responsible for all the trouble in the world. Right. The late President Kennedy said in his state visit to Brazil, he said, it is not the communists in the world that creates trouble. It is the capitalist pimps themselves who create trouble. If any rich man would go, he's not going nowhere. He wants you to go. You the fool. You the suckers, man. You understand me? You the slave. We want that right. Right. Not that. Then when you go to Vietnam and come back, you understand me? Then he tell you, you can't do this and you can't do that. Why? I haven't been fighting then. Yeah. If I can fight, I can do what I want inside of America. How the hell are you going to get nonviolent? And then they say nonviolent, they say peace, peace, peace. But you go to another country and fight. For what? Violent over Vietnam. America is violent, very violent. Rob, you go and you die over there. How? Why? What is the reason? What kind of war is that over there in Vietnam? It's you agree about that war over there? I don't. The world is against that war. In other words, you're saying that you would not fight for your country if you had to, right? You would not fight? You don't realize, but the North Vietnamese are not the ones we are fighting. The ones we are fighting are communists. I don't see why anybody in the United States should sit here and stand by and demonstrate and everything else and tell how they wouldn't fight for their country. 500,000 peace marchers, and you call them communists. The South Vietnamese, that they are fighting with American troops, the Americans are no more sure, they don't fight anymore. You know the Indians' old expression? You don't speak with a straight tongue. You speak with a forked tongue. Somebody has to do the job, Johnny. No, mister. No, mister. We don't need dirty job. We need that you do clean job, not dirty job. Well, if them cats were over here from Vietnam, you wouldn't be here. What about the clean job? How long you been in this country? As gentlemen, you can debate with me. Debate. You can learn something. I can learn something from you. Don't put your hand on me. I see that you are already a little bit. Yeah, I'm a hothead. No. Well, get sober, mister. I'm sober, Judge. How long have you been in this country? That don't mean this morning. Oh. You don't the like first it? First day. This go back. Is the first day. Then go back. Back. Go back. But I go back. Will you go back from Vietnam? I go back. I was in Vietnam. Did you go back? I'm referring to Paul. Paul, come next. Stand up. Look at that. Is it right to kill? Some kids don't get killed, yes. What's so special about your kids and any other kid in the world? They're mine. I'm an individual and they're mine. Because you want to see your kid happy, destroy the rest of the kids in the world? Survival is for the fittest. What? That's a selfish mother. If you were here in Hanoi, all of you would be executed. I was in China in 1944. Mister. And if you were caught with drugs, pardon me. If you were caught with drugs, pardon me. My country, right or wrong, it's my country. Finish the other half of it. And if she be wrong, by God, let me make it right. Can I ask you a question? Finally. Who's right and who's wrong now? Who's right? The Viet Cong right, the Russians right, or we? Here's the point. Who's right or wrong? I'm asking you a question. I just want an answer to it. Regardless of who kills, it's wrong. And who starts a war, it's wrong. Yeah, but who's right and wrong right now? And if you have to kill and defend yourself, you're not answering my question. Who's right and who's wrong? The United States is wrong. Oh, and the others are right? Because of one thing. It's only for right. Ask the Congress that you're standing here alive. Come here, don't walk away now. Listen to my point. Are you kidding me? Listen to my point. We're wrong? Every day people are dying in Vietnam. We stand around here like a bunch of idiots. You don't know what a bomb is, do you? None of you know what a bomb is. I'll show you what a bomb is. This is a bomb. Heaven and earth shall pass away, but not one word shall pass, he says, according to that
comes the judgment. That judgment is at hand. Jesus is coming soon. Only you will judge you. Hey, Pam, Napalm. Nobody knows what napalm is? Napalm. No, I don't. Napalm. 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 Napalm is jelly gasoline. It's being used in Vietnam to burn up people in villages. It clings to people's. Well, napalm is jelly gasoline. Jelly gasoline. Yeah. The napalm. Napalm. We need you in here. You ever heard of napalm? Yes, I seen it. What's napalm? See, it's kids like this that are getting burned up by napalm. It's kids like this and this one and all people like you, grown up people, and they're being burned up for no good reason at all. It isn't even helping anything that anyone could want. And that's why they don't stop this war, there won't be any. Delighted to learn that the MiG airfields had been bombed, at least two of them today. I was just. Yes, it's a dirty world, so even the smallest scratch can get infected. See why you need a Band-Aid Shear Strip. It keeps dirt out and lets healing air in. So protect every scratch with a Band-Aid Shear Strip. Ready? Aim. Press the button. And 60 seconds later, it's like opening a present. And Carmichael repeated his call for resistance to the war in Vietnam. Hey, you talking about you don't want to be violent and the Hokie gonna snatch you up and send you to Vietnam to shoot people and you come back and say, yeah, we don't believe in violence. It's all right to shoot yellow people. It's all right to shoot everybody else. But Lord, don't shoot this honky. You have to recognize what they talk about. Lyndon B. Johnson can't tell you that violence never accomplishes anything.
If the Hokie believed it, tell them to use nonviolence in Vietnam. It's going to be a question of putting maximum pressure on the enemy. We'll have to grind him down. In effect, we're fighting a war of attrition, and the only alternative is a war of annihilation, which I think we've ruled out as a matter of policy. So the end is not in sight. We must be prepared for better fighting in the days to come. And leave the driving to us. Don't do your... On the rocks. Now I use Shake and Bake. It is true that over here, the Americans, many of them say, better dead than red. They don't mean that, believe me. These people want to live. They don't mind fighting that war as long as it's 10,000 miles away. The worst thing that could happen to the American morale would be some damage to a city on its own shores. The Americans do not know what it's like to live under bombardment. They feel very happy waging a war 10,000 miles from its own shore. The war that the United States is waging now is a war to suppress revolutionary movements everywhere. At 100 miles an hour. Weekend, it looks like. Here we go again. The cousin now, Helena, from Jack. That's her brother, Jack. Helena, sweetheart, much. From cousin music from Jack Gavish. And they live out there in Queens. Helena, sweetheart, we love you, and I'm so happy you enjoyed the cousin music show. This is New York, you know. Happy birthday to cousin. Got a big date coming up, huh? Not sure where to take this chick? Well, what? Why? We can win the war in Vietnam. Dans quelques minutes, ce film va s'achever. Vous allez sortir de cette salle et, pour beaucoup d'entre vous, retrouver un monde sans guerre. C'est aussi le nôtre et nous savons à quel point il est facile d'oublier certaines réalités. Nous sommes loin du Vietnam. Et le Vietnam de nos émotions et de nos indignations est quelquefois aussi loin du véritable Vietnam que le serait l'indifférence. Nous vivons dans une société qui a poussé très loin l'art de se cacher ses propres buts, ses propres vertiges et surtout sa propre violence. Cette guerre n'est pas un accident historique, ni le règlement retardé d'un problème colonial. Elle est là, autour de nous, à l'intérieur de nous. Elle commence lorsque nous commençons nous-mêmes à comprendre que les Vietnamiens se battent pour nous. Et à mesurer notre dette à leur égard. Lorsque les Vietnamiens disent arrêter cette guerre, oui, mais pas à n'importe quel prix, on dit qu'ils ne sont pas raisonnables. C'est vrai que les Vietnamiens ne sont pas raisonnables. C'est vrai qu'ils sont fous, ces Vietnamiens, et que leur intransigeance violente en nous des habitudes liées à nos privilèges. Mais la folie vietnamienne est peut-être la sagesse politique de notre temps. Et le premier mouvement honnête que nous pouvons faire vers eux, c'est d'essayer de regarder leurs défis en face. Devant ce défi, le choix de la société des riches est assez simple. Ou bien cette société devra accomplir la destruction physique de tout ce qui lui résiste, et c'est une tâche qui risque de dépasser ses moyens de destruction, ou bien elle devra accomplir en elle une transformation totale. Et c'est peut-être aussi trop demander à une société au comble de sa puissance. Si elle refuse ce choix, elle n'aura plus qu'à sacrifier ses illusions rassurantes, à accepter cette guerre des pauvres contre les riches comme inévitable, et à la perdre.